Bibi. Même pas trop, hein, j'envahis son espace. Rebonjour, bonjour plutôt. Donc, je débute ce vlog. Nous sommes vendredi 22 avril. Je suis du coup chez ma copine Pauline du compte. Je te montre pas. Du compte, ouais. Amaya Readings. J'en ai déjà parlé. Et du coup, on est allé au Festival du Livre de Paris. Là, cet après-midi, on a passé, je crois, 4 heures. C'était vraiment bien, mais il faisait très chaud. Et voilà, un peu déçu quand même je sais pas, de l'organisation des stands. Les stands sont quand même vachement petits. Du coup, on redoute demain, il va y avoir quand même samedi beaucoup plus de monde. Donc, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. On a vu du coup Agnès Martin-Lugan. C'était très sympathique. Bon, je l'avais déjà vu à Brive. Mais voilà, j'ai pris du coup le seul que je n'ai pas lu et ou que je n'ai pas dans ma palle et je me suis fait dédicacer. Voilà. Pauline aussi, t'as pris un Agnès Le même que Martin-Lugan. toi. Le même, j'ai toujours cette. Enfin, de toute façon, je Tu vous n'en montrerai. jamais. Oui. De toute façon, je vous montre tous mes achats après à la fin. Je vous ferai un book haul de ce week-end. Et je suis du coup ici avec Pralouche qui est derrière moi. Qui a peur de moi, qui m'observe de loin. Voilà, rendez-vous du coup bientôt pour un update ou pour un book haul. Jour 3 ouais. Du festival, j'ai une tête pire que ça, tu meurs. Bref, on est avec notre petit café obligatoire et puis c'est parti. Oh, elle est trop mimes! Oh, je l'aime trop, mon petit cœur. Elle avait la tête dans mon sac. Oh, oui, c'est tellement drôle. Ça sent le chat quand même. Oui, là, Auguste a pissé. Ça, c'est ta. Ah, elle a ouvert la bouche, regarde! Regarde! Bah, t'es cassé, mon chat. Et donc, voici mon butin au salon, au Festival du Livre de Paris. Petite surprise, hein, du coup, petit teasing. Je vous montrerai un par un les livres. Et donc, on a eu aussi sur le stand de Charleston, il y avait la possibilité de tourner une roue. Et j'ai eu une bougie qui sent la vanille. J'adore la vanille en plus. Donc, parfait. C'était l'occasion. Donc, voilà, petit teasing avant de vous présenter un par un les livres. Et mon butin, ça fait 11 livres, du coup, en tout, en plus, dans ma palle.
Et re, c'est lundi. J'ai enlevé ça là, ça fait un peu strict. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi et donc le salon du livre, c'est fini. Ça appartient au week-end. Voilà, je voulais quand même vous faire un petit débrief et un gros book haul de ce salon. Donc j'ai passé un super week-end avec Pauline, donc du compte Amaya Readings. Donc c'est une amie hein, bien avant Bookstagram et donc elle habite à Paris. On en a profité pour du coup évidemment aller au festival du livre donc qui se tenait au Grand Palais Éphémère qui est juste en face de la Tour Eiffel. En plus vraiment la vue c'était hallucinant, enfin je crois que j'ai jamais été aussi longtemps devant la Tour Eiffel donc c'était vraiment trop bien. Je sais que ce salon était déjà de base assez, j'allais dire critiquable, mais controversé, voilà, c'est le mot. Et j'ai hésité jusqu'au dernier moment, je me suis dit, est-ce que, bah tant pis, on verra bien, et si ça se trouve, on va pas rester tout le week-end au salon. Et en fait, au final, on a vraiment eu énormément de chance, parce que on est passé du coup les 3 jours, mais pas tout le temps, on y allait je crois pendant 2 heures le vendredi soir à partir de 18h30, il n'y avait pas beaucoup de monde. On a vu du coup une autrice et ensuite le samedi on est arrivé je crois à 14h, on a dû rentrer parce qu'il y avait une queue en fait qui commençait à l'entrée du salon et je crois qu'on est rentré 14h30, un truc comme ça, et on a eu énormément de chance le samedi parce que il y avait pas du tout de queue en fait pour les auteurs, ou presque pas. On a dû attendre 15 minutes maximum et je crois que c'était pour Olivier Ball, je n'ai pas pris ses livres mais c'était pour Pauline. Mais enfin franchement, alors qu'il y avait un monde de dingue, j'ai pas compris pourquoi à chaque fois qu'on arrivait pour une dédicace, j'entendais Auguste, à chaque fois qu'on arrivait pour une dédicace il y avait personne, ou alors voilà, 2-3 personnes devant nous, on attendait quasiment pas. Ce qui fait que forcément bah, le salon globalement je l'ai bien aimé, à part voilà cette organisation et surtout le fait qu'on puisse pas apporter nos livres. C'est bof bof, c'est vraiment, enfin, je trouve ça assez, assez nul en fait concrètement. Mais après vraiment faut vous imaginer qu'il y a eu énormément de monde. J'ai regardé un petit peu les chiffres, ils sont à plus de 90 000 visiteurs sur les 3 jours. Donc le chiffre est assez grand, après à voir s'ils ont vraiment compté par personne ou s'ils ont compté, bah nous par exemple on est venu 3 fois donc 3 visiteurs, vous avez compris. Voilà, et ensuite du coup le dimanche, donc le samedi c'était cool, on a fini à Book Off, donc j'ai trouvé des petits trucs aussi à Book Off de livres. Attendez, je raconte vraiment très très mal mes histoires, il faut absolument pas que j'écrive de livres. Vendredi soir on a bu un verre du coup avec deux bookstagrammeurs belges, c'était super sympa, avec Cassandre et Jean du coup. Voilà, c'était vraiment super chouette de pouvoir discuter lecture mais pas que, parce que finalement on a un petit peu parlé de tout et ça fait plaisir parce que bah, finalement la lecture ça rapproche, ça réunit les gens alors que c'est quand même à la base une activité assez solitaire. Et du coup c'était vachement chouette voilà, de les rencontrer et de pouvoir discuter. Voilà, samedi ensuite je vous ai dit 14h30 et je crois qu'on est sorti d'ailleurs à 18h30 pour vous dire le monde qu'il y avait. On est sorti à 18h30, il y avait une queue apparemment de... Mais un monde, il y avait une queue absolument incroyable, super longue vraiment, ça nous aurait découragé de rentrer au festival. Vendredi aussi, voilà, hein, vous connaissez, je ne sais pas raconter d'histoire. Vendredi il faisait très 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 chaud, en tout été, je me dis si demain, ou si le lendemain, le samedi c'est ça, ça va être un enfer monstre. Mais bon évidemment entre temps ils ont quand même pris la mesure de la chaleur, parce que je pense que sincèrement il devait faire 28-30 degrés à l'intérieur du truc le vendredi. C'était très très chaud, même Agnès Martin-Lugan quand elle a fait sa dédicace elle s'est aspergée un petit peu la nuque, parce que pour vous dire la chaleur c'était vraiment suffocant en fait. Voilà, et un autre point qui était vraiment pour moi assez pénible, c'est qu'il y avait zéro réseau à l'intérieur, donc c'est pour ça que j'ai posté toutes mes stories à chaque fois le soir. Mais je trouve que c'est dommage, parce que voilà, si par exemple j'avais envie de rencontrer certaines d'entre vous, j'aurais pu envoyer un petit message pour dire voilà, on est à tel stand, etc. Bah j'ai pas pu, donc voilà,
c'est... Je trouve que c'est un peu dommage, voilà, de pas avoir de réseau. Bon, c'est pas non plus dramatique, hein, ça va, je suis pas une addict au téléphone, mais c'est juste hyper frustrant parce que t'as envie, je sais pas, de partager des trucs sur le moment et en fait tu peux pas, et pareil, t'as envie de rencontrer des gens, tu peux pas. Bon, voilà, petit bémol. Voilà, et dimanche, du coup, on a vu... C'était plus tranquille dimanche, il y avait un petit peu moins de monde. Focus, c'est parti. C'était tranquille le dimanche, il y avait un petit peu moins de monde. Ouais, honnêtement, franchement, pour moi, je dresse quand même un bilan globalement positif de ce festival du livre parce que voilà, parce que les auteurs en fait sont très très accessibles dans le sens où voilà, on a quasiment pas fait de queue et ça, pour ça, franchement, c'était génial parce que à Brive, je suis désolée, mais autant l'ambiance, le salon, tout ça, c'était vraiment génial, Brive, mais pour le coup, faire une heure et demie de queue, voire plus même pour Agnès Martin, enfin faire énormément de queue en fait pour les auteurs, ça m'a vraiment. Voilà. Voilà, et peut-être qu'il y avait aussi plus d'auteurs là à Paris, donc on a pu voir plus de monde qu'à Brive. Après Brive c'était sur une journée, donc il y a des plus, il y a des moins. Mais voilà, pour vous faire globalement, ça fait déjà 6 minutes que je parle, mais pour vous faire globalement un bilan, c'était vraiment vraiment sympathique. En plus voilà, on a pu croiser d'autres personnes de Bookstagram et tout, donc ça c'était trop bien. Et vu que c'est mon deuxième salon, on va dire que j'étais plus à l'aise avec, sur la rencontre avec les auteurs et sur la discussion que j'ai pu avoir, sur les discussions que j'ai pu avoir avec les auteurs, autrices. Clairement, voilà, de faire un premier salon, ça m'a aidée. Et maintenant, je sais pas, à chaque fois j'ai su quoi dire en fait, alors qu'à la base, à Brive, j'avoue que j'étais un peu gênée, je savais pas trop quoi dire, machin. Et là, bon, tranquille, hein, de toute façon, je me suis vraiment pas pris la tête. Et c'était ce qu'il fallait faire. Voilà, donc maintenant j'arrête de blablater. Le focus. Voilà, j'arrête de blablater et du coup je vous parle de mon book haul. Enfin, je vais vous faire un gros book haul, je vous parle de mes achats au salon mais également à Book Off. Avant toute chose, je voulais du coup parler d'un service presse que j'ai reçu. En fait, l'autrice m'a contactée, pour être totalement claire et transparente, l'autrice m'a contactée sur Instagram. Elle m'a demandé voilà, si je voulais recevoir son roman et en fait j'ai vu qu'elle dédicaçait au festival du livre, donc je lui ai dit bah écoutez, ça sert à rien que vous me l'envoyez en fait, je préfère vous rencontrer et avoir le livre entre les mains, enfin que vous me le donniez en main propre quoi, c'est quand même plus sympa, et puis ça vous évite de l'envoyer aussi. Bon bref, pour tout un tas de raisons c'était quand même mieux. Et donc il s'agit du manuscrit MS620 de Claire Bochard, qui d'ailleurs est une personne absolument adorable. Voilà. Et en fait on suit trois, je vais vous dire parce que je crois que sa dédicace, voilà, sa dédicace résume bien, enfin bien, ça résume on va dire quand même de façon très condensée, mais ça résume le livre. Trois femmes, trois époques, trois continents, un même mystère. Joyeuse lecture. J'ai pas trop envie de vous dire. Parce que je trouve que le résumé est quand même assez... il dévoile assez, mais voilà. Un jeu de pistes entre trois femmes sur trois périodes et trois continents pour percer le mystère d'un manuscrit indéchiffrable. Je trouve que c'est superbe. Et donc à la fin, c'est trop tentant en fait. Et à la fin... Attendez, je vais pas trop vous spoiler. Il y a des grilles. J'imagine que c'est le manuscrit en question. Et en fait, elle expliquait qu'elle s'est un petit peu... amusée, enfin en plus embêtée qu'amusée, à tout écrire. Ah, il y a des personnages. S'amuser en fait à tout faire elle-même, et c'était très très long. Voilà, il y a des pages et des pages comme ça à la fin, donc j'imagine qu'il y a une signification particulière. Et il est tout court, il paraît pas comme ça en brochet, mais en fait il est vraiment tout court. Il fait 191 pages, donc moins de 200 pages. Il me tente quand même beaucoup. Donc écoutez, vous aurez mon avis dans les prochaines semaines, ça c'est sûr. Donc nous sommes allés vraiment tranquillement vendredi soir au salon. Nous avons vu une seule autrice, il s'agit évidemment ou pas, je sais pas si c'est évident, mais de Agnès Martin-Lugan. Donc j'ai pris, j'ai toujours cette musique dans la tête. Et donc il s'agit en fait du seul que je n'ai pas lu et ou que je n'ai pas dans ma palle. Parce que j'en ai deux dans ma palle. Il me semble que les autres je les ai lus, sauf son dernier bien sûr. Mais voilà, je fais la collection en poche, donc son dernier je l'attendrai en poche également. Et Agnès Martin-Lugan, je l'avais déjà rencontré à Brive.
Voilà, elle est... Bon, moi je l'aime bien, mais c'est vrai qu'elle est pas hyper bavarde, mais il y a quand même beaucoup de monde à chaque fois à ses dédicaces, donc c'est compliqué, enfin... Tu vas pas engager une conversation de 4 heures alors que il y a encore plein de personnes qui attendent derrière. Donc... Mais en tout cas voilà, très très bonne. Enfin vraiment j'attendais cette autrice. Et il n'y avait pas non plus le vendredi, du coup c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément. J'ai un truc. Voilà. Le vendredi, il n'y avait pas énormément de monde et même d'auteurs, d'autrices qu'on voulait voir. Enfin on y allait le vendredi soir, donc voilà, c'était vraiment une petite. Mise en jambe entre guillemets pour le lendemain, la grosse journée. Il y a un auteur que je voulais vraiment découvrir. Il y a beaucoup voilà, d'auteurs que je n'ai pas lu d'ailleurs. Je n'ai quasiment acheté que ça. Il s'agit de Jérôme Loubry. J'ai pris donc Les Refuges. Franchement, honnêtement, on le voit énormément passer sur Bookstagram ce roman là. C'est un thriller j'imagine psychologique. La couverture est assez fantomatique et je pense que ça peut du coup clairement me plaire. Ça se passe en Normandie. Les habitants donc cachent un secret, quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Enfin bref, voilà, il y a vraiment visiblement tout est dans l'ambiance angoissante, donc il me tentait beaucoup. Et pareil, Jérôme Loubry est quelqu'un de très gentil. Et c'est assez marrant parce qu'il a retenu mon prénom, parce qu'après j'allais à une dédicace, en fait ils font plusieurs stands, ils faisaient un premier stand et puis après ils allaient chez le poche ou chez l'éditeur du brochet, enfin bref, et pendant une heure, puis après pendant une heure, enfin vous avez compris. Je suis allée du coup voir un autre auteur et il était à côté et il venait de me dédicacer du coup l'heure d'avant mes deux romans là que j'ai pris de Jérôme Loubry. Et du coup c'était vraiment drôle parce que quand je suis arrivée il n'y avait personne avec Jérôme Loubry à côté. Et il m'a dit « Allez Marie, c'est ton tour !» Donc ça m'a fait un petit peu rire parce que je sais pas, je trouve que c'est super drôle enfin, de pouvoir retenir comme ça les prénoms. Alors je sais pas s'il avait retenu que le mien ou s'il a retenu d'autres prénoms, mais bref, c'était quand même très drôle. J'étais un peu choquée parce que quand tu vois passer beaucoup de monde, moi je serais incapable de retenir les prénoms. Ensuite du coup le deuxième livre que j'ai pris de Jérôme Loubry, il me tentait juste énormément, clairement c'était un brochet, oui c'est un brochet, mais je pense que je ne peux pas attendre le poche. Il s'agit donc des sœurs de Montmort, on est pareil dans un village et il y a quelque chose d'étonnant dans cette atmosphère trop calme, et c'est la silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village, les voix et les superstitions qui hantent les habitants, les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux. Ça j'adore. Franchement quand c'est des thrillers comme ça un peu... ça fait longtemps puisque j'en ai pas eu des thrillers comme ça psychologiques où il est question peut-être de fantômes. Ça m'a trop... Je sais pas. Ça m'a trop donné envie. Donc voilà mon petit bilan. Jérôme Loubry. Je prends les deux. ensuite je suis allée voir qui, je sais plus, bon dans l'ordre je sais plus, mais dans l'ordre je sais plus. Je suis allée voir Alexis Leipsker, j'imagine que ça se prononce comme ça. En fait je lui ai dit que je le connaissais pas et je me suis dit est-ce que je lui ai demandé est-ce que vos romans sont gore, parce que s'ils sont gore, si par exemple il y a je sais pas des personnes écrabouillées machin, ça me rebute un petit peu. Et il m'a dit, bah, le plus soft, c'est le premier, donc, et avec votre esprit. Et après, je lui ai dit, d'accord, parce que c'est vrai que j'ai lu à un moment donné un roman de Fred Vargas, où il lui était question d'une cervelle. Je vous dis pas, pour pas vous spoiler comment était la cervelle, mais bon, bref. Et j'avais vraiment été dégoûtée. Et il me dit, ok, alors... on va pas lire et avec votre esprit parce qu'il est question de cerveau. Et après il m'a dit celui-là il est quand même assez angoissant, hein. Il y a pas de, c'est pas gore du tout, c'est tout sous-entendu et écrit de manière suggestive, mais il est quand même assez angoissant. Et je me suis dit Donc en fait j'ai complètement dit le contraire de ce qu'il m'a conseillé. Je suis vraiment allée contre son conseil, mais vraiment il me tentait bien. Ça parle de certains secrets qui s'avèrent parfois trop lourds à porter, et il est question de disparition d'enfants et de meurtres sanglants qui se multiplient dans un village de montagne. Voilà, bon, ce genre de résumé vraiment ça me tente beaucoup, donc je me suis dit bon, ne vous inquiétez pas, je vais aimer. Et il m'a dit vous êtes sûre, vous êtes sûre? Je dis oui. Donc bon,
On verra si vraiment il est hard ou si il est plutôt soft. Mais il me tentait bien. Vous voyez que quand même il y a pas mal de thrillers. Hein. J'ai clairement rempli ma palle de thrillers avec ce festival. Mais bon, en même temps, le Murder Party Challenge l'a clairement fait baisser. Vous avez vu ma prochaine. Le cri de Nicolas Beuglé. C'est franchement Nicolas Beuglé, honnêtement. Pour tout vous dire, je pensais clairement, voilà, en première impression, je me suis dit, il va être un petit peu hautain ou il va, voilà, juste signer et pas trop discuter avec nous. Et en fait, c'est vraiment le seul qui nous a fait une dédicace ultra personnalisée. Il prenait le temps, en fait, de nous demander ce qu'on faisait, dans quel domaine on travaillait, et il adaptait, bah forcément, hein, il personnalisait ses dédicaces par rapport à ça. Et du coup, je vais vous lire ma dédicace, et ceux qui savent vont bien rigoler, et après je vous dirai dans quel domaine, si vous savez pas, je travaille. Pour Marie, espérons que vous n'aurez pas une dent contre moi après cette lecture. Je trouve que c'était très drôle, et donc évidemment, je travaille actuellement dans le milieu dentaire. Enfin, des distributeurs, mais bon, c'est le milieu dentaire. Donc c'était vraiment chouette, très gentil de sa part. Pauline aussi a eu sa petite dédicace personnalisée. Et je trouve que, je sais pas, pour un auteur, ça doit être hyper enrichissant comme ça de connaître bah, des métiers qu'il connaît pas forcément, parce que le métier de Pauline il le connaissait pas forcément, donc je trouve que c'est assez marrant. Donc voilà, le cri, je l'ai vu également passer beaucoup sur Bookstagram. Je sais que Laura a bien aimé mais a relevé pas mal de coquilles et d'incohérences. Écoutez, je me ferai mon propre avis là-dessus. En tout cas, il me tentait beaucoup, et je pense que pour commencer Nicolas Beuglé, c'est ma foi, je pense que c'est pas plus mal. Donc, il a reçu quand même pas mal de prix, hein, ce bouquin. Donc, à voir. Voilà. Ensuite, nous sommes allés voir Nico Takian. J'ai plus de focus, voilà. Nous sommes allés voir Nico Takian. On a pris toutes les deux, donc ouais, Pauline, Solitude. C'est voilà, le résumé qui me tentait, je pense, le plus. Où on est, en fait. Mais franchement, à chaque fois, pour les thrillers, moi, je lis pas trop les résumés. Regarde 2-3 mots et je retiens les mots et basta. Ensuite, du coup, une garde nature dans le massif du Vercors. Il y a 12 ans, une blessure par balle l'a laissé totalement amnésique. Depuis, il s'est reconstruit une vie. J'ai dit un ou une garde nature, bref. Depuis, il s'est reconstruit une vie dans cette région aux hivers impitoyables, aux brumes si opaques qu'elles vous égarent en deux pas. Tempête de neige ensuite. Bref, j'en lis pas plus. Et en fait, j'ai déjà de cet auteur Avalanche Hotel dans ma palle. Et il m'a dit, je lui ai dit, et il m'a dit franchement, commencez par Avalanche Hotel parce que visiblement, il est un peu plus soft que celui-ci. Écoutez, je vais suivre bien sûr son conseil. Et il est tout court, hein, ce petit livre-là. Son dernier, du coup, c'est Respire. Il est tout court, 282 pages. À chaque fois, j'ai l'impression que les thrillers, ils sont relativement courts quand même. Et du coup, c'est à ce moment-là où il y avait Jérôme Loubry à côté qui m'a dit « Allez, Marie, à son tour !» Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a fait d'autres trucs samedi? Je me souviens plus. Nous sommes du coup passés le samedi soir à Bookoff. C'est un peu un incontournable, je pense, des librairies d'occasion à Paris. Et vraiment, j'ai halluciné. Je savais qu'il y avait des livres pas chers, mais je sais pas pourquoi, j'ai raté l'info. Ce sont des livres en fait à 1€. C'est entre 1 et 5€. Mais il y a un code couleur en fait. Quand c'est marqué rouge, c'est 1€. Et quand c'est bleu, bah, c'est plus que 1€. Et honnêtement, je m'attendais, voilà, à des livres d'occasion quand même relativement abîmés, parce que pour 1€. En occasion, voilà, il faut que le livre ait déjà quand même un petit peu vécu. Et finalement, pas du tout, j'ai trouvé des pépites et clairement, je suis ravie de ça. Après, faut quand même un petit peu fouiller parce que bah, c'est rangé vraiment comme des grandes. C'est des bibliothèques, il n'y a pas aucune table, etc. Donc, faut vraiment fouiller, chercher. Si vous avez une wishlist bien établie, c'est cool, mais sinon, c'est un peu au pifomètre. Et moi, j'étais un peu au pifomètre, moi. Je sais jamais, j'arrive jamais à tenir ma wishlist et tout. Du coup, j'ai trouvé deux romans. Le premier, encore un thriller pour changer. Ça a été, un festival, le festival du livre thriller, spécial thriller. Le gardien invisible de Dolores Redondo. Je sais que c'est une saga qui est hyper
connu, enfin hyper, je sais pas, mais connu, en tout cas que je vois beaucoup passer sur Bookstagram et qui me tentait bien. C'est également Fanny du compte Elle Booking qui me l'a vraiment conseillé, et comme visiblement on aime quand même à peu près le même genre de lecture, ça peut vraiment me plaire. Donc voilà, 1€ le livre, et honnêtement, alors oui, ça se voit qu'il a un peu vécu, qu'il a été lu, mais globalement le dos est pas trop abîmé. Enfin, je sais pas si vous allez clairement voir. Voilà, le dos, vous voyez, n'est pas trop abîmé. Je sais pas si on pourra clairement visualiser. Mais globalement, il est... Enfin, il est très bien, quoi. Le livre, au moins, il est un petit peu bombé. Mais pff, franchement, pour 1€, je sais pas trop. Et honnêtement, comme il me tentait beaucoup... Enfin, vous voyez, les bords sont quasiment pas cornés. Il n'y a rien. Enfin, oh, je suis choquée. Hein. J'étais là en mode... Oh. Moi, je serais tout le temps fourrée à Bookoff si j'habitais Paris. Et ensuite, du coup, j'ai trouvé Henri Leuvenbruck, Le loup des cordeliers. Donc là, il a un petit peu vécu, mais parce que c'est ma valise qui l'a défoncé. Mais je vous jure qu'il était en parfait état. Clairement, un petit peu jauni celui-ci par rapport à l'autre. Mais vraiment, dos nickel. Non, vraiment tout nickel. C'est juste qu'il est un peu plus jeune, mais... Parfait le truc. Donc je suis là, bon super, j'en ai eu pour 2€ au final. Donc trop bien. Pour la petite, donc ça c'est Bookoff. Et pour la petite anecdote, Henri Leuvenbruck signait au festival du livre. Et il signait en fait le lendemain, donc le dimanche. Et si vous voulez, on a acheté le Agnès Martin Lugan. Il y avait des TPE en fait, il y avait des filles qui avaient des TPE. Et donc on pouvait payer parfois dans les files d'attente, si la file d'attente était trop longue. On pouvait payer notre livre directement là plutôt que d'aller attendre à la caisse, etc. Et en fait, ils nous donnaient des pastilles vertes sur le livre, à coller sur le livre. Quand on payait, bah évidemment pour qu'à la sortie, ils voient qu'on a vraiment payé le livre. D'ailleurs, ils contrôlaient beaucoup à la sortie. Et j'ai trouvé Le loup des cordeliers, Henri Leuvenbruck signé le lendemain. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? J'ai mis bien sûr la pastille. Voilà, avant évidemment cette vidéo est publique, je sais que... On peut me regarder, mais il n'est pas interdit, il n'a pas été interdit jamais d'amener ses livres. À chaque fois sur les billets, c'est noté, il est déconseillé d'amener vos livres. Mais dans le doute, j'ai quand même un petit peu grugé, donc voilà, je suis rentrée avec mon livre, ils n'ont pas vérifié. J'ai mis du coup ma petite pastille quand même au cas où pour la sortie. D'ailleurs la sortie, ils n'ont même pas vérifié. Donc bref, en fait, j'ai fait dédicacer mon livre. Voilà, c'est ça la conclusion. Et je l'ai payé 1€ par la même occasion. Donc, mais je pense que même Henri n'aurait rien dit, j'espère. Je pense pas, ça a pas l'air d'être le personnage à dire quelque chose. Donc voilà, c'était la petite anecdote assez marrante. Mais quelque part, hein, c'était tout bénef pour moi et surtout pour mon porte-monnaie. Ensuite, je pense qu'on va passer à dimanche. du coup, dimanche, nous sommes allés voir... Les auteurs de Alabama 1963. Donc, Alabama 1963, vous voyez la couverture, je l'ai dans ma palle et j'étais dégoûtée du coup de ne pas pouvoir l'amener pour me le faire signer. Du coup, j'ai demandé en fait aux auteurs des marque-pages parce que j'ai dit bah, je vais lire votre livre là dans les prochains jours, donc est-ce que je peux avoir un marque-page? J'ai trouvé trop beau en fait les marque-pages, celui-là notamment il est. Bon, à la base, je voulais juste celui-ci, mais bon, ils ont été gentils, ils m'ont donné l'autre. Et donc, Pauline a pris le America, le nouveau. D'ailleurs, petit aparté, je vais voir les auteurs, je vais les rencontrer dans 15 jours. Surprise, je laisse la surprise, où, quand, comment, pourquoi, mais je vais les rencontrer, donc j'ai trop hâte. Voilà. Ensuite, nous avons fait un petit peu de queue, il y avait pas mal de queue, mais bon. Vraiment j'avais trop envie de lire ce livre. Il s'agit du coup de Scottish Rhapsody de Delinda Dane. En fait c'est une romance, un new romance, qui se déroule en Écosse. Je suis en mal des McCoy clairement. En plus bah, pendant ce week-end j'ai vu que le tome 5 et 6 vont sortir là en septembre-octobre. J'ai trop hâte.
Si vous saviez. Je vais voilà, je vais m'empresser d'aller le précommander parce que clairement j'ai trop hâte. Et en attendant, je me dis que cet été je pourrais peut-être me faire Scottish Rhapsody. Où ensuite du coup on est sur un mariage arrangé. Il y a des clans, ça se passe en Écosse. Bref, j'ai pas trop cherché à lire pareil trop le résumé parce que j'ai envie de me laisser une petite surprise. En plus, Linda Dane est vraiment super gentille. Donc voilà, je me suis pris celui-là. Et ensuite, nous sommes allés faire un petit tour. Alors attendez, parce que j'ai un truc, mais je sais pas où il est passé. Ah voilà. Ensuite, nous sommes allés faire un petit tour sur le stand de Charleston, enfin des éditions Le Duc et en particulier de Charleston. Avec Pauline, on voulait trop rencontrer et surtout acheter et lire Tony Béard, du coup, La chanson du rayon de lune. Voilà, il est super gentil en plus, Tony Béard, donc c'était vraiment bien. Bon, je suis dégoûtée parce que ma valise a abîmé mes livres. Ça, c'est chiant. Et du coup on est sur une double temporalité, on est dans le milieu de la mode et le rayon de lune est une bague en opale, il y a des secrets de famille, bref, typiquement Charleston, mais j'aime beaucoup. Et un truc également qui est arrivé, je voulais absolument, en plus je savais qu'il était sorti en poche, le parfum de l'exil de Ondine Kayat. Le samedi en fait, on l'a vu sur le stand de Pocket, parce que voilà, il est sorti en poche je crois le 21, on l'a vu et en fait on s'est dit bah on va pas le prendre maintenant en fait parce que l'autrice signe que le lendemain, donc le dimanche. Le dimanche on arrive sur le stand de Pocket, il restait un exemplaire et l'exemplaire était clairement abîmé en fait en haut, donc enfin dégoûté quoi, clairement on va pas payer en fait un livre neuf abîmé même avec une dédicace dedans. Et du coup on était extrêmement triste parce qu'on n'a pas pu voilà, acheter le Pocket. Donc l'autrice était quand même super gentille, elle m'a mis un petit mot sur une carte volante, mais elle-même elle était vraiment frustrée que voilà, qu'il soit en rupture de stock son livre avant sa dédicace, c'est quand même hyper ballot hein, franchement. Donc voilà, et moi-même j'étais très triste parce que c'est pareil, c'était une autrice que, enfin un livre que je voulais vraiment et une autrice que je voulais vraiment rencontrer, etc. Donc c'est un petit peu dommage quand même. Voilà, bon c'est un petit peu le point négatif si je puis dire de ce festival, mais voilà, mon boucle est terminé. Au final j'en ai eu 11 livres, voilà, des belles lectures en perspective clairement, et une pâle qui s'agrandit, je sais plus parler, une pâle qui s'agrandit, mais clairement c'est pour mon plus grand bonheur parce que parce qu'en fait finalement il y a beaucoup de livres qui me tentent là et je suis trop contente d'agrandir ma palle. Pour le coup au début je me suis dit oh je vais encore avoir beaucoup de livres et tout, je vais stresser machin, mais au final je suis ravie, sachant qu'en plus dans 3 semaines il y a encore un salon. Ah, je vous laisse la surprise. Mais voilà, il y a un salon qui me tient en plus particulièrement à cœur, que personne ne connaît. Et ça m'agace, mais quelque part finalement je suis contente parce que comme ça je vais pouvoir avoir les auteurs, autrices peut-être rien que pour moi. Il faut voir le positif hein, là où il y en a. Hein. Voilà. Donc bilan de ce salon quand même super positif. Ah j'ai oublié, je suis un boulet. Il y avait également une roue au stand du coup Charleston Le Duc et j'ai eu une petite bougie qui sent la vanille. Ouf. Donc voilà, ça sent un peu fort, c'est un peu chimique pour moi. Mais bon, c'est marrant, c'est bien dans ma bibliothèque, ça fait déco. Et plein de marque-pages. Mais clairement, mes préférés, c'est ceux-là, je les trouve vraiment trop beaux. Bref, maintenant j'arrête de parler parce que je pense que j'ai dû parler 25 minutes, c'est-à-dire l'intégralité d'un vlog habituel. Je vais vous faire un update lecture. Vraiment, je pense que ce vlog sera hyper long. Du coup dans le train j'ai pu un petit peu avancer, j'avais pris un petit peu de retard sur mes lectures, mais L'hiver de Solveig de Reine Andrieux, donc aux éditions Prélude, mais c'est un roman que j'ai emprunté à la médiathèque. J'ai lu 152 pages sur, il est super gros, 437. Donc si je vous dis ça c'est que clairement j'accroche pas beaucoup. En fait c'est pas que j'aime pas,
Mais c'est que c'est super long, c'est lent. On est sur un roman historique, voilà, où en fait on est en plein pendant la Seconde Guerre mondiale. Visiblement on est à Lignon, qui est un paisible bourg bordelais. J'ai regardé du coup sur internet où était Lignon. Lignon, oui c'est dur à dire mais c'est ça. Lignon, qui visiblement est près de Bordeaux, et j'ai pas trouvé. Ouais, j'ai pas trouvé. Donc je pense que c'est sensiblement un village ou un non-village qui a été inventé pour le livre. Mais c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment la première fois que je lis un livre où le nom du village est inventé. Déjà, quand j'ai lu le résumé, j'étais étonnée de ne pas connaître Lignon. Ensuite j'ai regardé sur internet, j'ai fait « c'est bizarre, il y est pas ». Bon, voilà. Oui, donc on est en pleine Seconde Guerre mondiale, on est en 40 et en fait, enfin on est dans, c'est une double temporalité, on est en 40 et ensuite on est 6 ans plus tard, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On retrouve du coup une petite fille qui visiblement est amnésique complètement. On la retrouve, elle sort des bois, elle a couru, mais en fait elle sait même plus comment elle s'appelle, elle est vraiment amnésie totale. Et pendant donc 6 ans plus tôt, pendant la Seconde Guerre mondiale, on suit du coup Noémie, qui est une épouse, épouse de médecin, et évidemment eux ils sont contre l'occupant allemand, enfin nazi, mais voilà, on parle beaucoup de les Allemands et les Français dans ce roman, pour bien les distinguer en fait. Et ils vont accueillir sous leur toit de force en fait un officier allemand. Il va y avoir une tout de suite, hein, je ne spoil pas parce que c'est maintenant la quatrième de coupe, une histoire d'amour entre Noémie et cet officier allemand. Je vous laisse imaginer ce que ça sous-entend, même au niveau réputation, etc. Ils doivent se cacher, enfin bref. Voilà, il y a quand même toute une histoire. Mais c'est assez instructif quand même comme lecture. On voit vraiment la mentalité en fait des personnes pendant cette période, qui est quand même une période assez trouble, assez sombre. Donc ouais, c'est intéressant, mais il y a un lien évidemment qu'on découvre tout de suite d'ailleurs entre les deux époques, enfin du moins. Voilà, c'est très très long, je mets du temps en fait à le lire et donc je me tâte. À l'abandonner ou du moins à le mettre de côté. Ouais, puis même la plume est tellement contemplative que j'ai un peu la flemme en fait. Et puis il est gros, enfin vous voyez ce que je veux dire, je suis pas motivée, je pense tout simplement. L'écriture est bien, hein, c'est instructif et je sais pas, l'histoire à mon sens se développe pas assez vite. Du coup, c'est un peu dommage parce qu'elle était quand même sympa à la base, l'histoire. Je vous reprends du coup à un autre moment. Et re, je suis davrée pour cette tête affreuse, donc du coup vous allez pas la voir plus longtemps que ça. J'ai reçu un colis. J'ai reçu du coup un colis, c'est un colis Vinted. Voilà, attendez, on va essayer de montrer Mondial Relais. J'ai bien envie de vous l'ouvrir ici là maintenant. Comme ça c'est fait, après je veux mettre le carton en fait à la poubelle en bas. Et le carton est arrivé dans cet état, donc vraiment tout pourri le truc, enfin vraiment une catastrophe. Je sais pas si on va clairement voir, abîmé comme Jaja. Voilà, donc il va être assez facile à ouvrir je pense. Alors, à une main. Ah, elle a quand même mis du papier bulle, heureusement, parce que... Ok, du coup, c'est des livres, vous vous en doutez. J'ai essayé de les sortir, mais pareil, à une main, ça va être compliqué. Ah. Hop. Et donc, il s'agit de la saga complète des Shakespeare's Sisters. J'ai là le 3, le 4, mais il y a le 1 et le 2 à l'intérieur. Ils sont dit donc en état superbe, nickel, je suis trop contente, vraiment. On sent qu'ils ont été un petit peu lus là, le bout est quand même un petit peu abîmé, mais franchement pour le prix, je crois que j'ai dû payer ça 10 ou 12 euros, un truc comme ça, alors que l'un, vous voyez, il vaut 17 euros. Donc je suis ravie de cette trouvaille, j'achète très très peu sur Vinted, justement parce que j'ai grave peur que les livres soient en mauvais état. Mais là vraiment, je sais pas, un matin j'ai vu les 4 affichés et j'ai fait bon vas-y, j'avais un petit peu de trésor aussi là, vous savez, dans le portefeuille. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je suis ravie. Donc c'est de la New Romance, hein. C'est une saga, j'essaie de vous trouver le tome 1. Hop. Ils sont au fond là, non?
vois rien en fait, tout ce que je vois à travers mon iPhone là. Ok, je suis navrée de cet unboxing un peu voilà. Ah, ça c'est le tome 1. Ah, il est parfait, mais vraiment il est en super état, je suis trop contente. Ok, tome 1, tome 3, tome 4 et le tome 2 doit être là-bas au fond du coup. J'ai réussi à déloger le tome 2, donc le tome 2 est légèrement abîmé hein, comparé aux autres. Ici, là, il y a un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Mais bon, voilà, je chipote. Franchement, pour le prix, je suis très contente. Donc j'ai les 4 tomes. Voilà, en espérant que cette saga, du coup, me plaise. Pour le résumé, donc ça, c'est le tome 1. Et en fait, on va suivre, du coup, bah, 4 sœurs. Chaque tome sera sur une des sœurs. Et voilà, on est sur la new romance. Donc 4 manières de trouver le grand amour. Elle peine, donc la première, elle peine à garder son job, son appart, végète à Londres 6 années après que sa pièce de théâtre promise à un grand succès a été subitement déprogrammée. Elle pense avoir touché le fond lorsque son parrain lui offre de passer l'été dans le cadre idyllique d'une villa en Italie pour l'inciter à se remettre à écrire. À contre-cœur, elle accepte et découvre, trop tard, que la maison appartient à son ennemi juré, Sam Carlton, le responsable de sa chute. On est à l'été, donc au cours de cet été torride, Cesca et Sam doivent affronter leur passé. Donc, été, automne, hiver, printemps. Mais en tout cas, c'est dans l'ordre, été, automne, donc peut-être que je m'en ferai un... par saison. Voilà, du coup j'ai la saga complète. Bah écoutez, je suis ravie. Voilà, c'est vraiment un vlog spécial book haul. J'ai vraiment pas l'habitude comme ça de remplir ma palle parce que vous avez déjà vu du coup ma bibliothèque qui est en fait, ce sont des étagères tout simplement. Donc j'ai pas énormément de place. Va falloir que je vire mes petites boîtes de café pour pouvoir mettre des livres. Mais écoutez, je suis quand même très contente de ça. Aujourd'hui nous sommes vendredi, je vous reprends, je vous ai pas pris depuis... Ah non, hier je vous ai filmé, du coup nous sommes allés à la base sous-marine de Bordeaux où en fait ils ont transformé ça très récemment d'ailleurs, je crois que ça date de 2020. Ils ont créé en fait un pôle, bassin de lumière, donc en fait c'est des projections de lumière. Au sein de la base sous-marine de Bordeaux, je vais y arriver. C'était vraiment chouette. Chaque année en fait ils changent d'exposition, donc cette année c'était des projections de lumière sur il y avait une partie, c'était Venise, après il y avait le peintre Sorolla, et en fait à l'intérieur aussi de la base sous-marine il y a un endroit qui s'appelle le Cube où du coup il y a également d'autres expos. Bref, c'était super super agréable, ça fait vraiment on est vraiment plongé complètement en immersion complète au sein justement de ce spectacle de j'ai envie de dire de son et lumière, mais c'est plus les lumières, le son aussi forcément ça résonne bien au niveau de l'acoustique et tout, mais les lumières, les projections partout, enfin c'était vraiment très très joli, j'avais jamais fait en fait je fais combien de temps que je suis sur Bordeaux?
2 ans et demi, 3 ans, je sais plus, j'avais jamais fait, donc première fois, et c'était super chouette. Voilà, donc ça je vous ai filmé culturellement, je pense que ça peut peut-être vous intéresser si vous passez par Bordeaux ou si, je sais pas, vous avez jamais fait par exemple les bassins de lumière, ça vaut vraiment le coup, c'était très très joli. Alors c'est très bizarre parce qu'on rentre, on est dans le noir complet, on s'est dit oulala, faut vraiment pas que je trébuche ou que je fasse tomber mon portable parce qu'il y a de l'eau à côté, mais vraiment c'était chouette. Bref, désolée, c'est vendredi soir, il y a tout le monde qui rentre du taf, qui a envie d'aller en week-end. Vous l'avez dû le remarquer du coup dans mes plans précédents, j'ai commencé une nouvelle lecture. Et c'est Alabama 1963 et j'ai terminé cette lecture. Ça se lit très très vite, mais j'ai vraiment été prise par l'histoire, j'ai adoré, voilà. Vous savez, quand je lis rapidement en général, c'est que j'aime bien quand même. J'ai adoré cette lecture. Pas de coup de cœur particulier parce que je pense que la thématique c'était pas trop mon truc. Maintenant, une très belle histoire. Voilà, je l'ai vraiment dévoré, je vous ai dit, je prends en 2-3 jours. Après, il est tout court, hein, il fait 344 pages. J'ai mis du coup en pause L'hiver de Solveig, dont je vous parlais précédemment. Et du coup, j'ai sorti celui-là. J'avais besoin peut-être aussi d'une lecture un peu plus rapide au niveau des rebondissements. Donc on suit l'histoire de deux acolytes. Enfin, je pense que vous connaissez ce bouquin parce que vous avez dû le voir passer tellement de fois sur Bookstagram. Deux détectives en herbe. Enfin, il y en a un, c'est un détective pro, censé être pro, hein. Et l'autre, du coup, c'est sa femme de ménage. Donc un blanc et un noir. Hein. En 1963, on est en plein... Enfin, c'est plutôt la fin, mais on était au début de l'année 63, en plein pendant l'apartheid aux États-Unis. On est du coup en Alabama, on est à Birmingham et il y a des petites filles noires qui vont disparaître, puis ensuite qui vont être retrouvées. On les a violées et bah, retrouvées mortes. Hein. Donc le climat déjà est très compliqué avec le Ku Klux Klan qui sévit dans cette région des États-Unis, mais je pense dans plein d'autres régions malheureusement des États-Unis. Et donc il y a un climat comme ça un petit peu délétère, j'ai envie de dire, qui une ambiance qui se ressent vraiment à la lecture. Il y a des scènes aussi très... c'est très cinéma en fait, je trouve. Vraiment la manière aussi dont ils décrivent. Alors je sais que ça fait partie de leur... C'est leur job, hein, ils sont traducteurs dans le cinéma à la base. Et du coup je trouve que ça se ressent énormément dans cette lecture. Voilà, j'ai adoré ce duo improbable de ce détective privé qui auparavant était ségrégationniste, qui voilà, avait des réflexions anti-noires en fait, enfin vraiment contre racistes, des réflexions racistes. Et cette femme de ménage, Adela, qui est un beau brin de femme, voilà, qui va vouloir un petit peu de temps en temps se rebeller. Il y a des petites pointes d'humour mais qui sont bien dosées, c'est pas trop humoristique, en même temps c'est pas trop sombre non plus. Voilà. Franchement, belle surprise, belle découverte que Alabama 1963, j'en garde voilà, un bon souvenir pour l'instant. Enfin, je l'ai terminé ce matin, donc forcément j'en garde un souvenir, hein, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment chouette, belle découverte. En fait, je m'attendais pas à autant aimer. Je savais que la sphère Bookstagram avait vraiment encensé ce bouquin, mais je m'attendais pas à autant aimer. C'était sympa, mais voilà, encore une fois, pas de coup de cœur. Vous avez au moins un avis de livre dans ce vlog. Avec le focus c'est mieux. Vous avez au moins du coup un avis de livre dans ce vlog car j'ai terminé du coup une lecture cette semaine. Wouhou. Et du coup je vous parlerai de ma prochaine lecture dans un prochain vlog. Je suis en train de le monter, il est méga long, je sais pas quand est-ce que je vais terminer mon montage. Voilà. Et du coup je vais débuter un autre vlog. Du coup dans mon prochain vlog je suis déjà en train de vous le filmer. Il va y avoir ma nouvelle lecture, des réceptions de chez Pocket. Et il y a eu un petit commentaire sur mon dernier vlog, quelqu'un qui voulait voir mes poissons qui sont pas vraiment les miens en fait, celui de Théotime, mais enfin c'est ceux de Théotime. Je vous montrerai du coup tout ça dans le prochain vlog. Je suis navrée encore une fois pour le bruit.
Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici si vous êtes là, parce que je sais qu'il est méga long. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite du coup une belle semaine, une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt, ciao.